Mesdames, Messieurs, bonjour. Là, je vous le dis, je vais marcher sur des pelures de bananes. On parle d'un sujet que je ne connais, mais rien. Là. On parle d'un sujet avec un expert en technologie. J'ai le plaisir d'avoir Stéphane Couture. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Là, tu viens me parler de crypto-monnaie, puis parmi ces il y a le Bitcoin, là. Oui. Hey, moi, là, je connais rien dans ça. Alors, on va commencer. Tu vas me donner un cours. OK. C'est quoi, ça, la crypto-monnaie? OK. Qu'est-ce que de la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle qui est décentralisée comparativement à une monnaie d'un pays comme le Canada ou les États-Unis qui la monnaie est gérée par une banque, la Banque du Canada ou la Banque des États-Unis. La crypto-monnaie, elle, est décentralisée, donc elle n'est dépendante d'aucune banque à travers le monde. Donc, elle est dépendante de personne à personne. Ce sont les transactions immédiates de personne à personne qui font que cette monnaie-là fonctionne actuellement. Oui, mais elle vient d'où, l'argent, là? L'argent ne vient pas du ciel, effectivement. Oui. Ce sont des technologies où il y a eu des compagnies de technologie qui ont investi dans ces technologies-là pour développer des monnaies, développer des systèmes, développer des manières d'accélérer les processus au niveau technologique. Puis ces monnaies-là ont été créées pour pouvoir donner une valeur courante à ces développements technologiques-là. OK. Puis quand tu parles de Bitcoin, c'est une des monnaies, ça? Oui, exactement. Le Bitcoin, c'est une des... probablement la plus grande monnaie que tout le monde entend parler, c'est le Bitcoin. Tout le monde fait l'association Bitcoin égale crypto-monnaie. Mais non, la crypto-monnaie regroupe des centaines, voire des milliers de types de monnaies différentes. Ah oui? Mais c'est sûr que le Bitcoin reste la monnaie la plus connue et la plus courante présentement. On en connaît quelques-unes d'autres qui sont très, très, très courantes, comme l'Ethereum, qui est sensiblement comme le Bitcoin, mais qui a une valeur beaucoup moindre présentement parce qu'elle est toujours en développement. C'est une monnaie qui est encore à faire ses preuves au niveau des marchés, mais qui est très, très, très populaire auprès des gens qui connaissent le domaine. Sinon, on va avoir des monnaies comme le Monero, qui est une monnaie qui prône à faire des transactions anonymes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le nom, il n'y a pas aucune information liée à vous ou à la personne qui va faire la transaction entre l'achat et la vente de cette monnaie-là. Mais moi, là tu m'inities aujourd'hui. Oui. Est-ce que à partir du moment où tu m'auras dit de quelle façon, je peux... Est-ce que j'achète de la monnaie ou c'est comment que je procède? Il y a plusieurs façons de le faire au niveau de la monnaie, au niveau de la crypto-monnaie, pardon, parce que faut différencier les deux choses. C'est la crypto-monnaie. Donc, il y a deux façons de le faire. C'est que oui, effectivement, on peut faire de l'achat et vente de cette monnaie-là avec notre argent personnel. Ça devient comme en réalité acheter des actions à la bourse acheter des fonds des fonds de pension ou ainsi de suite, comme on veut. Oui. mais c'est ça, on peut faire des transactions. À ce moment-là, il faut faire attention parce que toute transaction au niveau de la crypto-monnaie, comme ça, en achat-vente, c'est imposable ici au Canada comme une vente de capital en réalité. Fait que c'est imposable comme un gain de capital si on fait d'achat et vente de crypto-monnaie. C'est sûr que si vous achetez pour 20$, vous en revendez pour 20$, je ne penserais pas que le gouvernement du Canada va venir vous chercher pour 20$, mais si vous faites des transactions majeures, je pense que ce serait bon de quand même déclarer ça correctement parce que sinon, vous pouvez avoir des surprises à la fin de l'année. Oui. Le revenu ne vous oublie pas. Non, il ne nous oublie jamais. Oui, OK. Donc, il y a de l'argent à faire avec ça, là. Oui, tout à fait. Je veux dire, il n'y a rien d'impossible avec ça. Il y a plusieurs personnes qui gagnent très, très bien leur vie avec ça. Oui. Au mois de mars, à la mi-mars à peu près, à un moment donné, il y a eu une nouvelle à la télévision qui disait que, je pense que c'est le Bitcoin, je ne sais plus, là, mais il y avait une monnaie, une crypto-monnaie qui avait doublé depuis le début de l'année. Mm-hmm. Tout à fait. Quelqu'un qui l'a acheté, je ne sais pas, à 5$, puis elle vaut 10$, il en a 1000, ben il vient de faire 5000. Tout à fait, effectivement, c'est sûr. C'est ça, là? Oui, on peut faire effectivement ça. C'est sûr que la crypto-monnaie est quand même un achat et une vente à très, très haut risque. Donc, il faut avoir les reins solides pour pouvoir jouer là-dedans. Ce qui est arrivé au mois de mars, on a eu un investisseur majeur au niveau des technologies qui a acheté une très, très grande partie de Bitcoin sur l'Internet, pour ne pas nommer M. Elon Musk, qui avait acheté pour 1,5 milliard, si je ne me trompe pas, de Bitcoins. Il dit ça, il y a un investissement à faire, il y a une technologie à aller chercher,
je suis prêt à investir là-dedans. Donc, 1,5 milliard qui a été mis là-dedans. À ce moment-là, en moins de 24 heures, la monnaie a pratiquement doublé. Alors, on est passé de les 30 à les 25-30 000 $ américains en valeur pour un seul bitcoin à près de 60 000 $ américains. Hop-là. Il y a de l'argent. Oui, il y a de l'argent à faire. Mais toi, tu m'expliquais que tu n'investis pas. Non. Mais tu vas chercher ça différemment. Oui, tout à fait. Une autre façon de faire des revenus avec la crypto-monnaie, c'est avec la puissance de notre ordinateur à la maison. Particulièrement ceux qui sont amateurs de jeux vidéo, qui ont un ordinateur relativement puissant avec une carte graphique, vont avoir un certain avantage là-dessus. Il y a des monnaies qui fonctionnent relativement bien avec des ordinateurs moins forts, mais comme pour le Bitcoin ou l'Ethereum, ces deux monnaies-là fonctionnent principalement avec les capacités de processeurs des cartes graphiques dans les ordinateurs de jeux vidéo. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on loue notre puissance d'ordinateur à des tierces qui, eux, vont utiliser la puissance de notre ordinateur pour faire des calculs très, très, très élevés en mathématiques et ils vont nous rémunérer avec une partie ou une minime partie de bitcoins. Et ça peut rapporter combien, ça? Ça dépend des... Ça dépend des capacités de l'ordinateur. Ah oui, okay. Parce qu'on peut très bien dire, « Ah, ben regarde, votre ordinateur à la maison avec une carte graphique standard de v'là 2 ans peut rapporter environ peut-être 1 $, 2 $ par jour, par 24 heures. » Mais il faut considérer que votre ordinateur, vous l'utilisez aussi dans le jour, vous jouez ou vous consultez des emails, des affaires comme ça. Ben oui, votre carte graphique peut travailler pendant que vous consultez juste des courriels, mais quand vous commencez à jouer, vous ne pouvez pas faire la même chose, miner des bitcoins et jouer en même temps. Là, tu viens d'utiliser une expression « miner ». Oui. Qu'est-ce que tu entends par « miner » C'est le terme utilisé pour les personnes qui louent leur puissance d'ordinateur à ces compagnies-là. C'est ce qu'on appelle un mineur, en réalité. C'est que chaque puissance d'ordinateur est assemblée dans ce qu'on appelle genre un regroupement d'efforts. Puis le regroupement de ces ordinateurs-là en effort ensemble vont résoudre des calculs mathématiques qui vont valider des transactions bitcoins. Là, tu parles d'effort. En tout cas, j'ai entendu à un moment donné au niveau de l'énergie là, mm-hmm. qu'il y a des gens qui en avaient tellement, qui avaient beaucoup, beaucoup de chaleur, ça diffusait beaucoup de chaleur, qui pouvaient récupérer cette chaleur-là et la diffuser pour chauffer. Il y a quelqu'un là, dans les cantons de l'Est qui a acheté une église et puis il chauffe son église, qui a converti mm-hmm. en différents services. Là. Mm-hmm. Mais dans le sous-sol, il y en a beaucoup. Là. Oui. Puis c'est pour la crypto-monnaie. Je n'ai pas rêvé. Là. Non, c'est effectivement ça parce que, évidemment, que ce soit de la crypto-monnaie, que ce soit n'importe quel effort, un ordinateur, lorsqu'il rend un effort important, va dégager une chaleur. C'est pour ça qu'il y a des ventilateurs dans les ordinateurs, pour dégager cette chaleur-là, pour essayer de garder les processeurs le plus froid possible. Mais évidemment que quand des personnes montent des rangées de mégas ordinateurs ou de cartes graphiques en lignée une à côté de l'autre pour générer ça, 24 heures sur 24, oui, effectivement, il y a une très grande utilisation d'énergie, il y a une très grande dissipation de chaleur aussi. Donc, cette chaleur-là, effectivement, peut être récupérée dans les systèmes de ventilation pour générer d'autres choses autour. Ouais. Et qu'est-ce qui explique que le Québec est populaire pour les gens qui veulent avoir, là, qui veulent partir avec une quantité... assez considérable d'ordi ou de cartes, là? Il y a deux grands avantages présentement au Québec pour pouvoir faire ce genre de production de crypto-monnaie. La première des choses, c'est que l'électricité est très, très basse au niveau du coût énergétique. Ah oui, OK. Le coût de l'énergie ici d'Hydro-Québec, on parle de quoi? 6 cents environ du kilowattheure pour les premiers kilowattheures. Après ça, on passe à 9 cents. Si on compare ça avec les États-Unis, on parle de 30 cents de kilowattheure, qui est presque 5 fois le prix. Donc, c'est sûr que des compagnies qui sont intéressées à vouloir produire ça, bien, c'est, le coût énergétique de ça est beaucoup moins ici au Québec. Autre chose aussi, c'est que c'est particulièrement aussi au Québec, ça va être dans le nord du Québec ou les régions froides comme l'Abitibi-Témiscamingue ou ça, c'est de garder les équipements électroniques froids pour garder la performance le plus élevée possible. Donc, on n'a pas besoin d'appareils pour venir refroidir. On sert de la neige, on sert du froid naturel du Québec pour pouvoir refroidir l'équipement. Donc, comme tu dis, le coût électrique relativement bas. Oui. Puis d'être capable d'aller chercher du froid pour venir tempérer. Oui, tout à fait.
Parce que si, comme n'importe quel processeur informatique, s'il y a une surchauffe, ben l'usure va être beaucoup plus rapide sur le processeur en tant que tel. Moi, là, si je veux aller, ne serait-ce que d'aller voir Oui. sur un site, là, est-ce qu'il y en a un ou deux sites que tu pourrais me suggérer? Je pense que le site le plus accessible pour le commun des mortels, pour voir un peu comment que le Bitcoin varie au niveau du prix ou ainsi de suite, ça serait probablement sur le site de nicehash.com, Nicehash.com. Ashash.com. Oui, c'est Ben, un. de toute façon, Luc va se faire un plaisir de le mettre là. Alors, c'est Nick Hash. NiceHash, ouais. C'est un site qui permet de voir les cours de la monnaie du Bitcoin en tant que tel et aussi de permettre de l'achat et la vente et d'offrir aussi un mini logiciel pour ceux-là qui voudraient s'essayer de miner en tant que tel. Ah Ils peuvent oui. se faire un compte gratuitement puis essayer de miner, mais généralement, je le déconseille très fortement à toutes les personnes qui ont un ordinateur. Disons Ordinaire, ordinaire, ordinaire. C'est plus qu'on. Je dirais plus vers les ordinateurs, justement, de joueurs de jeux vidéo qui veulent maximiser l'utilisation de l'ordinateur à la maison, qui veulent, oui. mettons, peut-être se faire 3 ou 4 $ de plus, ben, Ah bon. au plaisir. Il nous reste moins d'une minute, Stéphane. Pas de J'aimerais problème. juste savoir, ça existe depuis combien de temps, ça? La crypto-monnaie existe pratiquement depuis que l'Internet existe. On a vu les premiers bitcoins générés dans les années 80, milieu des années 90. Ah bon? Il y a des monnaies qui sont un peu plus récentes, comme un dérivé du bitcoin qui est le Bitcoin Cash, qui est arrivé sur le marché en 2017. Mais il s'en crée un peu à tous les jours. Il faut faire attention à ça parce qu'il y a des monnaies qui se créent, il y a des monnaies qui se perdent aussi au travers de ça, au travers du temps. Et des fois, il y a des faux investisseurs qui vont ramasser de l'argent avec ça. Ben, je te remercie beaucoup. J'ai pas tout compris ce que tu m'as dit parce que là tu fais affaire à un néophyte. Mais je suis doublement intéressé puis je vais aller au moins sur le site pour aller voir. Alors, je te remercie beaucoup, Stéphane. Fait plaisir. Alors, j'avais le plaisir de recevoir un expert en technologie, Stéphane Couture, qui est venu nous parler de la crypto-monnaie. Je vous invite à nous revenir dans quelques instants. Je vais avoir un invité que vous connaissez déjà. Alors, je vous avais promis que je recevrais dans la deuxième partie quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un que vous connaissez bien si vous écoutez les émissions régulièrement à la télévision communautaire. Au lieu d'être assis ici, là, aujourd'hui, il est assis à l'autre bout. J'ai le plaisir de recevoir un ami, le maire de Saint-Jean-de-Brébeuf, Ghislain Hamel. Bonjour, Ghislain. Bonjour. Bienvenue dans le studio. Ah, ben, c'est comme si j'étais toujours ici. C'est ça. Dans tes pantoufles. Ghislain, je suis content de t'avoir parce que à Saint-Jean-de-Brébeuf, il se passe de quoi de le fun, puis qu'on en parle. Il va y avoir une PME, puis là, on est quoi? On est à la fin d'avril, qui devrait commencer dans les prochains jours à opérer, puis qui se spécialise dans le domaine de la transformation alimentaire. Transformation alimentaire, exactement, oui. J'ai pas vraiment encore de grosses nouvelles. Et ils ont fait l'acquisition de l'ancien restaurant. OK, alors quand on passe à Saint-Jean-de-Brébeuf, on s'en va vers Kenner's Mill, c'est celui qui est au coin à l'intersection, là. C'est ça, OK. exactement. C'est un restaurant qui était ouvert, ça fait déjà plusieurs années. Il y a eu quelques propriétaires. Le dernier propriétaire en lice, c'était la Corporation de développement économique. Quand le restaurant était mis en vente, la Corporation de développement économique a fait l'acquisition avec l'aide du pacte rural à ce moment-là. OK. Mais quand tu parles de la Corporation de développement économique de De Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-Jean-de-Brébeuf, oui. OK, bon. Une Oui, ben corporation locale. d'une corporation locale, c'est ça. Alors, la corporation a fait l'acquisition de la bâtisse, l'a rénovée au complet. Acheter de l'équipement pour de l'équipement de restaurant. Et puis, ça a fonctionné un certain temps. Après ça, il y a eu des locataires. Il y en a eu deux locataires. Le premier, à un moment donné, a quitté pour raison de personnel. Il manquait de personnel, puis ils ont décidé de quitter. Après ça, il y en a eu un autre qui fonctionnait pendant presque un an. Mais finalement,
On n'était pas en pandémie, mais ça marchait plus ou moins bien. Ah, bon, bon. Puis, ils ont fait faillite. Alors là, le restaurant est tombé, la corporation l'a repris, et puis ça a resté fermé. Ça faisait presque 2 ans, sinon un peu plus, que c'était fermé. La corporation a eu une offre. Il y avait un aspect intéressant qui avait été mis de l'avant. C'est que le restaurant, s'il y avait quelqu'un qui le reprenait, pouvait le reprendre sans aucun paiement de location pendant 1 an après la pandémie. Il y a eu une personne qui a été intéressée, mais finalement, la pandémie qui perdure, il a décidé de pas se risquer. Alors, il était toujours libre. Puis la corporation a eu une offre d'une entreprise, l'entreprise Lopal de Victoriaville, pour l'achat du restaurant. Évidemment, le conseil municipal a été avisé, ça a été discuté, puis ça a été accepté. Parce que la corporation puis le conseil municipal, c'est un peu c'est pas la même chose, mais un est comme le bras de l'autre. OK. Alors, la proposition qui a été faite a été acceptée, puis c'est une entreprise de transformation alimentaire qui va être là. Oui. Puis là, au moment où on enregistre, là, on diffuse dans la semaine du 26 avril, ça devrait, où ça l'a été, où il y a quelques jours... L'équipement doit être rentré. Là. OK, bon. Mais quand on parle de transformation alimentaire, quel genre de transformation alimentaire? Ça va être des mets surgelés. Des mets d'inspiration latino. Ah bon? La sorte de mets a été expérimentée à Québec, dans la ville de Québec. Ceux qui vont gérer l'usine de transformation, c'est des gens qui sont de Colombie. Colombie en Amérique du Sud. Oui, oui, c'est ça. Des Colombiens. Des Latinos. Alors, ouais, ça va me permettre d'aller les voir pour pratiquer mon espagnol. Oui, ça va être la place. Oui, ça va être la place. Eux autres vont faire... je disais, à Québec, ils ont fait un peu l'expérience des mets. Un mets qui s'appelle Ampala ou un truc comme ça. Là. Puis, ça fonctionne bien. Ils ont commandé une étude au MAPAC pour savoir si les mets latinos pouvaient être quelque chose de rentable, parce qu'il faut que ce soit rentable, sinon tu ne pars pas une industrie de transformation, une industrie de transformation alimentaire si tu es pour prendre le champ avec. Et cette étude-là... L'étude fait en sorte que oui, beaucoup de possibilités au Québec. Il y a beaucoup de latinos qui émigrent au Québec aussi, oui. Puis c'est des aliments qui sont beaucoup demandés. Alors, Et surgelés ou congelés, là? Surgelés, exactement. Oui. Ça va être vendu dans des dépanneurs, des épiceries. Probablement que leur chaîne de distribution est déjà pas mal complétée. Et puis, ça va créer à court terme 4 emplois. Mais à moyen terme, il envisage de 9 à 10 emplois, parce qu'il va y avoir du transport, il va y avoir plein d'autres choses qui peuvent se rajouter. L'endroit où ils ont acheté l'ancien restaurant lui convenait aussi dans le sens que le terrain est assez grand pour pouvoir faire un agrandissement. Ah, bien, mais ça, c'était pour te poser la question, parce que moi, pour avoir déjà été mangé dans ce restaurant-là, c'est pas grand. Puis on a beau dire que c'est une PME là, de 4-5, puis même peut-être, mais je veux dire, il faut avoir de la place, mais là, s'il y a le terrain, là, ça devient intéressant. Oui, exactement. Dans le restaurant, comme tel, il n'y en aura plus de restaurant. Non. Il envisage peut-être un comptoir pour aller chercher des mets à emporter. Okay. Ouais. Mais je veux dire, toute la partie de restaurant, là, ça va devenir, c'est l'endroit où ça va, ils vont fabriquer ou en tout cas préparer les mets. Mais c'est pas cuisine. Grand pareil, là. Oui. Alors, mais si tu dis qu'ils ont du terrain, est-ce que c'est en arrière ou de côté? De côté. De côté. OK. Quand on longe la route, 267, on arrive à l'intersection, ouais. Le restaurant est à gauche et c'est le terrain à côté. Là. Exact. OK. Celui qui longe la route. Oui.
Alors, si ça fonctionne bien, évidemment, ils ont la possibilité d'agrandir. OK. Oui, ça, ben là, c'est intéressant. Parce que le restaurant en tant que tel n'était pas très grand. Mais par contre, pour ce qu'ils veulent faire, c'était suffisant. Ah ben oui, là, c'est ça. Parce qu'il y a un immense congélateur au sous-sol où ça, ils vont pouvoir entreposer leurs mets, les faire congeler d'ailleurs. Et puis, la cuisine va servir pour les préparations chaudes OK. qui vont servir à la fabrication des mets latinos. OK. Alors, ce que je comprends bien, c'est qu'ils ont acheté la bâtisse et les équipements, parce que les équipements étaient là. Ils ont acheté l'équipement au complet, mais il y a d'autres équipements qui vont rentrer aussi. Oui, bien là, oui. Et puis, tu dis que déjà au sol, il y avait un immense congélateur. Oui, walk-in. Ah oui, attends un peu, là. C'est très grand. Alors, ils vont pouvoir facilement faire congeler les produits-là. Puis, la livraison va se faire à partir de là. Donc, probablement des emplois supplémentaires qui vont être créés. Ah oui, OK. Oui, des emplois directs. Oui. Ouais. Mais pour un maire, même d'une petite corporation municipale comme Saint-Jean-de-Brébeuf, qui est la banlieue de Thetford, en plus en du passant, qu'est-ce que ça représente, ça, l'arrivée de cette PME-là? Bien, ça représente un peu un changement de vocation. J'entends par là que depuis plusieurs années, on essayait de développer le volet récréo-touristique. Mais on s'est rendu compte finalement que ça ne fonctionne pas. On a eu des marcheurs du chemin Saint-Rémy, ça a tombé. Ça ne fonctionne pas. Alors là, en ayant une industrie alimentaire qui s'installe dans un milieu agricole, c'est pas dit qu'il n'y aura pas d'autres industries alimentaires qui... En tout cas, ils vont regarder ça, puis peut-être qu'ils vont venir s'installer aussi. On peut penser à ce qui est à la mode de ce temps-là, c'est la transformation du sirop d'érable dans divers produits. Ça pourrait être ça. Je ne sais pas, mais je pense que ça va être un virage intéressant pour la municipalité. Parce que, Saint-Jean-de-Brébeuf, c'est un beau village. Puis vous avez la chance d'avoir le chemin Gosford, le chemin Craig, qui passe chez vous. Là. Il traverse la... Exactement. Il traverse, là. Un chemin historique. Oui. Mais ça, c'est pas suffisant. Il va rester là, le chemin. Oui, il est toujours là, mais je veux dire, on est dans les hauteurs, là. C'est de toute beauté. Quand on part de... Ou on part de Kenner's Mills, puis on s'en vient chez vous, ou vice-versa, il y a des paysages, là. C'est de toute beauté. Puis on a un belvédère sur la côte, ce qu'on appelle la côte des Bœufs. Oui. Il y a un belvédère où on peut voir la ville de Québec durant les festivals de feux d'artifice. Ah oui, d'un partant clair, là, on voit. Ouais. Hein? Quand il y a les feux d'artifice à Québec, il y a beaucoup de gens qui se ramassent là et puis qui regardent les feux d'artifice. Depuis 2 ans, il y a eu un kiosque. Quand Boralex a fait l'acquisition des éoliennes du projet des Moulins, Boralex, on avait déjà une entente avec Invernergy pour construire un kiosque d'observation. Et Boralex a respecté ça. Alors, on a un beau kiosque qui a été construit. On ne l'a pas officialisé encore parce que la pandémie n'aide pas pour ça. Mais probablement qu'à l'été, on va pouvoir le faire. Point de vue touristique, ça va rester encore un point intéressant. Et vous avez converti l'église en salle communautaire. Est-ce que la troupe de théâtre va être là encore cet été? J'en faisais mention dans le dernier journal. Ça va faire la 2e année qu'on n'aura pas eu de pièces de théâtre. Ah bon? Et ça m'effraie parce que je me dis, 2 ans sans pièces de théâtre, peut-être que les organisateurs vont passer l'éponge. Ouais. Il n'y en aura plus. Mais s'il n'y en a plus, on va être dynamique, puis on va s'organiser pour avoir d'autres choses. Bon. Ben, tu connais ça, toi? Ouais, le temps qui est écoulé, hein? J'ai le chronomètre en avant de moi. Là. On est rendu à la fin. Merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. Alors, j'avais le plaisir de, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, là, le maire de la ville de la corporation municipale de Saint-Jean-de-Brébeuf, Ghislain Hamel. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.